Mais aujourd'hui, ça va être particulier parce que, en fait, ça va être avec les enfants tout le long. Donc le gros risque, c'est que ça soit infantilisant pour les adultes et trop long pour les enfants. Mais nous, on va faire différent. Ça va être plus interactif pour les adultes et plus riche pour les enfants. Et donc, je vous demande à tous vraiment de jouer le jeu parce que, voilà, on va sortir plus enrichi si on joue le jeu aujourd'hui, tous, pour vous-même et pour vos frères et sœurs aussi. Donc, on commence. Bon, Alice n'est pas là. Ces post-it sont un peu une institution maintenant. Donc, moi, je n'ai pas les post-it à cœur, mais je vous ai mis juste des petites feuilles comme ça. Et en fait, pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc, les adultes aussi, aujourd'hui, ont le droit d'écrire leurs prières sur ces petites feuilles. Bon, ce n'est pas en forme de cœur, mais vous pouvez dessiner votre propre cœur à vous, si vous voulez. Et les enfants aussi, si vous voulez écrire vos prières, je vais venir les récupérer dans un moment. Après, je vous rassure, je ne vais pas tous les lire. Je vais en choisir quelques-unes des adultes, quelques-unes des enfants, juste. Je ne vais pas pouvoir toutes les lire, mais vous savez ce que vous avez écrit, et Dieu le sait surtout. Donc, je vais en choisir juste deux au hasard. Seigneur, que la paix et l'amour règnent profondément dans notre famille. Tu es l'amour, tu es la paix. Et après. Merci Dieu pour tout ce que tu nous as fait. Amen. Merci. Allez, encore un. Espérance, petit cœur, joie du cœur. Et voilà, et après, chacun sait ce que vous avez écrit sur vos post-it. Et si vous ne savez pas quoi écrire, Dieu le sait avant vous. Et donc, Père éternel, je veux vraiment te remettre les prières de chacun de nous, enfants, grands. Vraiment que tu entends la voix, qu'on sache dans notre cœur que tu entends la voix de chacun, que tu nous prêtes toute l'attention, tu es là pour nous. Merci Seigneur. On te dépose nos fardeaux, on te dépose aussi nos joies à tes pieds. Et là, on te demande de venir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits. Tu nous as dit que tu caches tes voix aux grands et aux savants et tu les révèles aux petits-enfants. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons d'avoir un cœur d'enfant, mais aussi une intelligence d'enfant pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec Matthieu 5, 4. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. On va se concentrer vraiment sur la première partie. Ils sont heureux, ceux qui pleurent. Les enfants, est-ce que ça vous est arrivé parfois de pleurer et qu'en fait, ça soit bien? Est-ce que ça arrive que finalement, c'est bien de pleurer? Et les adultes, pareil, est-ce que ça vous est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de bon quand on pleure, en fait? C'est comme si tu déposais tous tes fardeaux, mais d'une manière plus agissante, on va dire. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Léa. Qu'est-ce qu'il y a de bon quand on pleure? Et est-ce que c'est mieux de pleurer tout seul ou avec quelqu'un? C'est mieux de pleurer avec quelqu'un, comme ça on partage ce qu'on a dans le cœur et c'est plus agréable après. Parfois aussi on pleure parce qu'on est content. On pleure de joie parfois. C'est vrai. En tout cas, même pour les adultes, on voit souvent dans les films, par exemple, que il y a plein de films ou plein de séries dans lesquelles il y a typiquement un homme et une femme qui ne s'aiment pas trop et qui se font un peu la tête et qui se trouvent insupportables. Et après, il y en a un des deux qui soit est blessé physiquement, soit il est licencié de son travail, soit il y a un gros problème d'un type ou de l'autre. Et il se met à pleurer. Et là, ce qui se passe souvent,
c'est que l'autre, enfin, si c'est le garçon qui pleure, c'est la fille, sinon c'est l'inverse. En fait, d'un coup, quand cette personne pleure, l'autre voit en elle quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Typiquement, les deux tombent amoureux, et voilà, après 20 minutes, il y a le happy ending, la fin du film. Et en fait, il y a plein de films comme ça. Et quand il y a plein des choses qui retournent dans la littérature, dans les films, souvent, c'est parce que, quelque part, ça nous renvoie à quelque chose de profondément vrai, que tout le monde reconnaît. C'est comme si on avait une sorte de nostalgie de ça. Et souvent, dans notre culture en ce moment, cette nostalgie qu'on a pour Dieu, pour ce que Dieu peut nous faire pour nous, on le met sur le dos de l'amour romantique. Souvent, c'est l'autre, le partenaire romantique qui peut nous donner nous combler de la façon qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui peut nous combler. Et en tout cas, ce qu'on voit dans tous ces films, c'est que le fait de pleurer, le fait de s'abandonner, comme on vient de chanter, ça permet à la relation de monter d'un cran. Ça permet à la relation de... En fait, ça nous permet d'abandonner tous les préconçus qu'on a pu avoir avant, d'abandonner les attentes peut-être qu'on avait sur l'autre, d'abandonner des choses qu'on s'attendait de nous-mêmes. Et en fait, passer à l'étape suivante dans la relation, monter d'un cran dans la relation. Et si on continue à lire le verset, parce que Dieu le consolera, ben c'est exactement ça en fait qui se passe avec Dieu aussi. En fait, quand on pleure, ce verset nous invite à prendre du recul par rapport à la situation qui nous fait pleurer, de prendre du recul par rapport à ce qui nous fait mal en ce moment, pour voir en fait la vraie chose essentielle qui est en train de se passer. C'est que Dieu nous a dans ses bras. Dieu est là pour nous accueillir dans ses bras. On peut pleurer avec lui. On peut, quelque part, on peut tomber encore un peu plus amoureux de lui. On peut encore un peu plus profiter de l'amour qu'il nous montre. Donc, pendant qu'on pleure, vraiment, c'est notre relation avec Dieu qui grandit. Et vu que je suis psychologue neuroscientifique, je pensais que vu qu'on regarde aux relations, on pourrait prendre inspiration de ce qu'on connaît des relations entre les hommes pour voir si ça nous donne quelques clés de lecture aussi de notre relation avec Dieu. Et est-ce que ça peut nous faire grandir? Est-ce que ça peut nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire « heureux ceux qui pleurent » parce que Dieu les consolera? Parce que c'est une belle phrase, mais parfois, c'est un peu difficile pendant qu'on pleure de se dire « oui, je suis contente là ». Et donc, je vous propose un scénario aux enfants et aux grands. Et imaginez-vous que là, d'un coup, pour je ne sais pas quelle raison, vous devez changer de ville. Vous allez dans un endroit où vous connaissez pas le langage, vous connaissez personne. Vous y allez avec une personne, votre personne fondamentale. Donc, si vous êtes des enfants, vous y allez avec votre maman ou votre papa. Si vous êtes des adultes, peut-être avec votre conjoint ou avec un très, très cher ami. En tout cas, avec une personne qui est vraiment super importante pour vous. Et là, vous vous retrouvez dans une nouvelle église. On parle une autre langue, on ne comprend pas. Et super culte. Et à la fin du culte, vous vous dirigez vers le café. Et à ce moment-là, vous remarquez qu'en fait, votre conjoint ou votre maman n'est pas là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Les enfants, écoutez, parce qu'après, je vais vous poser une question et il va falloir que vous vous positionnez par rapport à ça. En fait, c'est possible qu'au moment où vous vous rendez compte que votre maman ou votre papa n'est pas là, dans une situation nouvelle que vous ne connaissez pas, c'est la panique. C'est l'anxiété, vous êtes là, oulala, mais elle est partie où? C'est pas possible. Vous restez, vous avez peur à parler aux autres personnes, vous avez peur même à les regarder dans les yeux, vous restez un peu dans votre coin comme ça, et vous attendez, et après, enfin, quand elle revient, vous pleurez, vous dites, mais vous t'étais où? Mais pourquoi tu m'as abandonné? Mais ça va pas du tout, et vous faites un peu une scène comme ça. Ça, c'est l'option panique et crise. C'est quand je me sens abandonnée, quand voilà, je vais dans la panique.
L'autre option, c'est de se dire, ah bon, maman n'est pas là, ou papa n'est pas là, ou mon conjoint n'est pas là. Bah, très bien, je n'ai pas besoin d'elle, ou de lui. Je vais piquer tout le sucre au thé. je vais profiter de cette absence, en fait. Je n'ai pas du tout besoin de lui. Et en fait, je vais me régaler vu qu'elle n'est pas là. Voilà. Après, il y a aussi des autres possibilités. Ceux qui sont la perfection ou le grand n'importe quoi. Mais en fait, tout ça se situe sur deux axes. Vous connaissez les enfants, est-ce que vous savez lire un peu les axes des X, des Assis et des... Comment ils s'appellent les autres ? Merci. Bravo. Du coup, là, sur l'axe des X, on a le besoin qu'on sait d'avoir en Dieu. J'ai besoin de toi. Je sais que j'ai totalement besoin de toi. Ou des personnes, pardon, on est encore à l'humain là. J'ai totalement besoin de toi et je n'ai pas besoin de toi du tout. Les psys appellent ça l'axe de l'évitement. Donc quand j'ai pas besoin de toi, j'évite. Et après, l'axe de l'anxiété, je suis complètement zen ou je suis complètement stressée. Donc, vous voyez, bravoure et bêtise, c'est situé où je pense que j'ai pas besoin de toi, mais je suis zen. Panique et crise, c'est je sais que j'ai très besoin de toi, mais je suis anxieuse, je m'accroche à toi, j'ai peur de pas t'avoir, je m'accroche. Ok? Et après, ce dont on aspire tous, c'est d'être tranquille, d'être zen, de pas avoir d'anxiété, et en même temps, de savoir qu'on a besoin de la personne, de savoir qu'on est dépendant, mais pas être stressé de ça. On veut tous être comme ça, mais on a tous du mal. On se situe tous, soit un peu côté panique et crise, soit un peu côté bravoure et bêtise. Alors, qui est plutôt anxieux quand maman, papa n'est pas là? Qui est plutôt style à faire, à se sentir très fort, à se dire oh non, mais moi j'ai pas besoin, et peut-être faire une petite bêtise ci par là. Et les grands peuvent faire des bêtises aussi. Hein. C'est pas forcément le sucre, mais il y a des bêtises même encore un peu plus grands. Qui est parfait? Bon, c'est rassurant. Voilà, donc là maintenant, on sait peut-être où on se situe, on se positionne là dans ce cadre psychologique. La question c'est pourquoi on est là? Et là, vous pouvez, si vous voulez, parler avec votre voisin pendant 30 secondes, une minute. Et vous dire pourquoi, par exemple dans mon cas, pourquoi j'ai tendance à faire une crise, pourquoi j'ai tendance à avoir trop d'anxiété. Je sais bien que je suis dépendant des gens que j'aime, je sais bien que je suis dépendant de mon mari, de ma maman qui est là aussi. Pourquoi quand je ne les sens pas, j'ai fait une crise? Pourquoi j'ai vais dans l'angoisse? Voilà, donc pourquoi vous êtes là où vous êtes? Et les enfants aussi, pourquoi si vous êtes stressé de ne pas être avec vos parents, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur? Et si vous faites des bêtises, pourquoi vous faites des bêtises? Je vais voir si ce n'est pas un problème de confiance en soi, de confiance dans les autres ou de confiance... Super bien. Mm-hmm. Un problème de confiance. Et en fait, le problème de confiance, il s'est produit comment dans la vie d'une personne? Tu veux répondre? Ou peut-être quelqu'un d'autre? Les symptômes? Non, ça vient d'où en fait? Qu'est-ce qui a produit cette manque de confiance? L'anxiété, je pense que ça peut venir aussi de l'enfance. Quand il y a eu un parent défaillant, après on peut ne pas avoir confiance, quoi, avoir besoin d'être restauré du côté de la confiance, peut-être. C'est une piste. C'est une très bonne piste. Les enfants, est-ce que vous êtes d'accord que quand on ne fait pas confiance aux personnes, ou quand on fait des bêtises malgré la volonté des personnes qui en aiment, c'est peut-être parce que ces personnes-là n'étaient pas très cool avec nous pour commencer? C'est peut-être... oui, Léo est très d'accord. C'est mon enfant, moi. Donc, en fait,
on se retrouve dans ce tableau, dans, loin de la perfection, souvent à cause des autres, en fait. À cause du fait que les autres nous ont pas été dignes de notre confiance. Peut-être je m'attendais d'être réconfortée, et je ne l'ai pas été. Ah, tu voulais dire quelque chose? Bien. Peut-être aussi c'est parce que justement, au contraire, ils ont été un peu chuchotés, donc du coup ils se sentent un peu forts et tout. Oui. Oui, exactement. C'est en fait en relation, en réponse à ce que les autres ont fait avec nous. Les autres ont été, d'une façon ou de l'autre, soit trop forts, soit trop faibles, soit trop envahissants, soit pas assez présents, soit... Enfin, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire comme parents. Et du coup, ça fait des enfants qui, eux, à leur tour, font des erreurs aussi. Mais en fait, ce qui est génial... C'est qu'avec Dieu, tout ça ne se produit pas. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Lui, c'est le parent parfait. Lui, il ne va ni être trop envahissant, ni pas confiant en nous, ni il ne va pas être présent quand on a besoin de lui. Et en fait, on va lire Dieu, comment il va réagir. Et en fait, toute la Bible nous raconte de ça. C'était super difficile de choisir juste deux passages. Mais deux passages qui vraiment sont là pour nous montrer à quel point, là, dans la relation avec Dieu, un des deux membres, il est parfait. Et alors, je vais vous demander, les enfants, là, les lecteurs, on est tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêts à revenir? Il y a des passages à lire. Luc 15, 11 à 20, et le psaume 139, 1 à 10. Vous pouvez lire un verset chacun. Voilà. Jésus dit encore, un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu. Il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il avait travaillé pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même, ils ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il se serre contre lui et l'embrasse. Merci. Et là, ça continue. Parce que là, on va lire le psaume 139 aussi, le début. Psaume, le David prie dans le livre du chef de Joran. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire.
Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi, ou fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Merci les enfants, merci. En fait, ce sont deux passages de la Bible que, d'un côté, nous montrent à quel point la joie de, bon, là c'est une parabole, la joie de ce papa de revoir son enfant qui revient vers lui à n'importe quel moment, après avoir fait n'importe quel nombre de bêtises, bah, c'est une joie absolue et sincère. Et du coup, à n'importe quel moment, la porte est ouverte. À n'importe quel moment, on peut revenir vers Dieu. Et le psaume 39, il nous montre qu'en fait, quand on ne sent pas Dieu, quand on s'est éloigné de lui, quand on se sent abandonné, qu'en fait, c'est de notre côté, qu'on ne le sent pas. Mais lui, il est là toujours. Il connaît chacune de nos pensées. Il est vraiment présent. Et du coup, dans cette dynamique d'anxiété et évitation, de avoir peur que peut-être Dieu ne nous aime pas, et du coup soit s'accrocher à lui d'une façon complètement pas zen, complètement stressée, soit faire comme si on n'avait pas besoin de lui, ben non, en fait, ces réflexes humains qu'on a probablement, ces réflexes humains de soit s'accrocher comme ça, ou soit faire comme si on n'avait pas besoin, ben on peut les laisser derrière nous, parce que Dieu, il est vraiment parfait. Donc dans la relation à lui, ça tient qu'à nous, en fait, d'en profiter au maximum, parce que lui, il nous donne exactement 100% tout ce dont on a besoin. Et donc ça veut dire que pour nous, on peut casser l'habitude. Si je pleure, par exemple, de me méfier, de penser que j'ai pas le droit, de penser que peut-être j'ai pas le droit de dire ce que je pense vraiment parce que je vais pas être consolée. Non, je peux vraiment laisser ça derrière moi. La méfiance, je la laisse derrière moi parce que Dieu, il est parfait et il m'accueillera toujours exactement comme je suis. Et de l'autre côté, je peux aussi casser l'habitude qui me vient de mon expérience humaine de ne pas permettre de pleurer. Parce que, bien sûr, je peux pleurer. Si j'ai mal, je n'ai pas besoin d'être dure. Je n'ai pas besoin d'assumer. Je n'ai pas besoin de prendre sur moi. Non, je peux, en fait, lâcher prise. Je peux vraiment lâcher prise. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu m'accueille. Et c'est là, c'est dans cette relation-là, que ma relation avec Dieu peut monter d'un cran. Comme dans les comédies romantiques, où c'est quand l'héros pleure et que l'héroïne vient le consoler, que leur relation monte d'un cran, ben c'est exactement ce qui se passe avec Dieu, sauf à puissance infinie. Donc il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucun besoin d'avoir envie de faire des bêtises parce qu'on a cette relation avec le parent parfait. Et du coup, on peut vraiment s'abandonner complètement. Mais bon, Dieu nous ne demande pas de passer notre vie à pleurer dans ses bras non plus. Et là, il y a une autre lecture à les enfants. Je vais vous demander de lire Matthieu 10, verset 16. Ah, juste deux enfants. Ah, c'est bien, les garçons, c'est parfait. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et inconscients comme les colombes. Innocents comme des colombes, c'est ça.
Donc voilà, Dieu, il nous dit pas « reste pleurer chez moi ». Dieu, il nous envoie comme des moutons au milieu de loups. Et en fait, c'est super intéressant, parce que ça, on le voit en psychologie aussi. Mais ça, c'est pour les adultes, les enfants. Du coup, je vous envoie aussi, pas vraiment comme des moutons au milieu de loups, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous donne un indice, les enfants. Regardez, en fait, là, il y a un indice. Je vais le lire pour vous. Il va falloir faire quelque chose maintenant. Là, on vous envoie. Là où la viande devient tendre et savoureuse, il pourrait bien y avoir des choses. Pensez à l'été et aux fêtes au jardin, même si elles semblent des souvenirs bien lointains. Réfléchissez bien, cherchez vos manteaux, soyez prudents, soyez judicieux. Alors il y a Gloria qui vous attend là-bas. Et en fait, là, voilà, vous avez un petit défi. Je pense que vous avez besoin de vos manteaux et peut-être des parents qui vous... Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille. Là, je vous conseille vraiment. Ça peut être très sympa. Et bon, il y a écrit aussi, soyez judicieux. Faites attention. Voilà, donc pendant que les enfants sont en mission, en fait, on revient un peu au cours des psychologies, parce que, en fait, ce qu'on remarque, c'est quand les enfants qui sont plus proches de celles que j'ai appelées perfection tout à l'heure dans le petit dessin, en fait, les enfants qui ont peu d'anxiété et peu d'évitation, donc les enfants qui savent qu'ils sont dépendants mais qui ne sont pas stressés par ça, mais en réalité, c'est les enfants qui explorent le plus. Et on peut remarquer ça déjà à l'âge des 1 an. Et même, il y a des études qui montrent ça avant. Et par exemple, donc, c'est les enfants qui sont bien attachés de façon saine à leurs parents, c'est eux qui vont, quand ils ont 1 an, ils vont marcher le plus loin des parents dans un environnement sûr. Hein. Mais après, quand ils sont par exemple à l'université, les personnes qui ont cette caractéristique d'avoir en même temps de savoir qu'ils sont dépendants et pas d'anxiété, c'est eux qui par exemple partent étudier à l'étranger ou font des choses plus dangereuses, mais dans un cadre de sécurité, pas dans un cadre responsable, mais qui pousse plus loin. Donc en fait, quelque part, quand l'attachement est sécur, on est prêt à aller beaucoup plus loin. Quand on sait qu'on peut revenir, du coup, on y va franco. Et en fait, en psychologie, on a cette image du porc qui est là, qui accueille le bateau quand il a besoin d'attraquer, qui ne le retient pas quand le bateau est prêt pour partir. C'est une présence qui est là, et ceux d'entre nous qui sont parents, on essaye peut-être d'être ce port sécur auquel nos enfants peuvent toujours revenir et duquel nos enfants peuvent toujours partir. Et ça commence quand ils sont tout petits et ça continue, je pense, même bien après les 18 ans. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que dans nos parents, ils n'ont pas pu le faire de façon parfaite. Mais Dieu, oui. Dieu, il est vraiment ce port sécur auquel on peut revenir à chaque moment. Et donc, de savoir ça, ça peut vraiment nous donner des ailes pour aller loin. En sachant que de toute façon, si j'ai fait des bêtises, si je m'ai fait mal, s'il y a des trucs pas bien qui se passent, je peux toujours revenir. Et là où la métaphore s'arrête, c'est que le port, parfois, il est loin. Quand je suis au milieu de la mer, ça prend du temps et de l'effort de revenir au port. Mais en fait, Dieu, il est toujours là avec nous. On peut revenir de façon instantanée. Et alors, vraiment, qu'est-ce qui nous arrête, en fait, pour aller loin, en réalité? Donc, le moment de pleurer... le moment, on a lu en début, et ces cultes, heureux ceux qui pleurent, ces personnes qui pleurent, si on pleure nous aujourd'hui, on est au port, on est avec Dieu en ce moment. C'est le moment, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de tomber encore un peu plus amoureux de Dieu. C'est le moment
de vraiment profiter de cet amour que lui, il nous donne de façon complètement abondante et magnifique. Mais il n'y a pas du tout un côté comme ça de se complaire de sa souffrance, parce qu'après, une fois qu'on est rassasié, une fois qu'on est prêt, bah Dieu nous fait partir. Il nous fait confiance. Il n'a pas honte de nous, parce qu'il sait qu'on n'est pas parfait. Et alors, si moi je vais parler à ma copine qui n'est pas chrétienne de Jésus, je ne vais pas le faire de façon théologiquement parfaite. Ce n'est pas grave. Je peux le faire. Si j'ai peur de perdre son amitié parce qu'elle me trouve bizarre, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. L'essentiel est toujours là. Je peux toujours revenir vers Dieu et me reposer, me conforter vraiment pleinement avec lui. Donc voilà, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront confortés. C'est vraiment, si on pleure aujourd'hui, on peut vraiment essayer de prendre du recul et savoir qu'en fait c'est le moment de prendre les câlins des dieux, de tomber encore un peu plus amoureux. De se faire remplir par son amour qui est là. Lui, il nous le donne 100%, parfaitement, exactement ce dont on a besoin. N'importe quels sont nos problèmes qu'on peut avoir dans nos relations dus aux autres êtres humains, Dieu, lui, non. Lui, il est parfait. On peut vraiment se laisser aller. Et si en ce moment, on ne pleure pas, on peut foncer, on peut aller, là, ce qu'on est en train de faire, on peut aller à fond, parce qu'on n'a pas à être ni dur, ni anxieux, parce qu'on sait que si jamais il y a un problème, Dieu, il sera toujours là pour nous conforter. Et là, j'attends les enfants qui sont partis en mission et qui ne reviennent pas. Merci, Guillaume, d'aller les appeler. Parce qu'ils ont une mission qui nous concerne tous. Ils ont des choses à faire pour nous quand ils reviennent. Alors, je vous signale qu'il y a 12 enfants organisés à deux par deux qui vont chacun dans un secteur très spécifique. Et voilà, ils vous donnent un défi, en fait. Et si jamais vous êtes... Si jamais vous êtes en période où vous ne pleurez pas, si jamais vous êtes en période où vous n'êtes pas dans le port à vous faire réconforter, ben voilà un petit défi pour la semaine qui attend. Quelque chose qui vous pouvez faire. Peut-être vous avez déjà votre défi à vous, et alors, bien sûr, il faut le suivre aussi. Mais voilà une idée de comment vous pouvez aller dans le monde cette semaine. Évidemment, avec de grands merci à Sylvia qui a fait ce merveilleux jeu Antidote, que vous pouvez aussi acheter après la fin. Voilà, les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi votre défi et d'avoir trouvé ce trésor à partager avec les adultes. Merci beaucoup. Et quand vous avez terminé de distribuer, on va prier ensemble. Père éternel, merci d'être notre Père parfait. Merci de connaître nos blessures, nos limites, les injustices que nous avons subies, les injustices que nous avons perpétrées nous-mêmes. Merci de connaître tout ça. Et merci de nous aimer quand même. Merci de nous accueillir quand même. Merci d'être toujours là pour nous, même quand tout nous semble loin, même quand nous ne pouvons pas te ressentir. Merci Seigneur de nous avoir donné
un père et une mère terrestres qui nous ont aimés, mais que peut-être nous a forcément nous ont aussi blessés d'une façon ou de l'autre. Mais merci d'être là, toi, d'être notre parent parfait auquel on peut toujours retourner. Merci que quand on pleure, tu te prends soin de nous. Et merci d'utiliser ces moments pour faire monter notre relation d'un cran, pour grandir ensemble, pour que nous, on puisse grandir dans l'amour pour toi. Merci Seigneur, parce que notre vie s'épasse dans ce moment difficile et dur où nous souffrons et nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, pendant que nous souffrons, en fait, tu es en train de nous former, de nous équiper pour la prochaine grande aventure. Merci Seigneur de régner sur tout cela, sur notre joie et sur notre douleur. Et merci d'être toujours là pour nous consoler. Amen. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à Dieu.